Ja, dag beste kijkers. 25 mei, zondag, moet iedereen naar de stembus gaan. We moeten kiezen. Vandaag heb ik SPA uitgenodigd. Sidi Hassan Rahali, merhaba bik. انت مغربي من بروكسل غترشح ان شاء الله للانتخابات القادمه. نتمنى لك التوفيق. شكون هو سيدي حسن الرحالي؟ ويس حسن الرحالي. السلام عليكم الاخ نور الدين. دانكي اومس ايتن دو هيك سال نو هيل كورت ان نيدرلاندس هاودن ما درنا هيك سويتش نار فرنسا ان عربيس فور اونز فريند هير ان بروسل. ايك ها انردات فور بارلمنت فان بروسل خان انتريك الكو دي ليست. دونك السلام عليكم الجميع وحسن الرحالي بكل نقولوا حنا تري كور. جو سوي جورناليست رياليزاتور دو ميتيي. جو سوي او ميم تان assez, je dirais, engagé dans la politique. Je suis depuis 2 ans conseiller communal dans la commune, dans la très très belle commune de Molenbeek-Saint-Jean à Bruxelles. Et je suis effectivement depuis de longues années, depuis plus de 25 ans, dans l'associatif, président d'une association qui a débuté en 1998. Et depuis lors, donc un cheminement logique, c'est de s'engager. On a toujours voulu s'engager, toujours voulu améliorer les choses, toujours voulu améliorer, je dirais, la vie des gens, la vie de nos enfants, à tous. Et c'est la raison pour laquelle je m'étais donc mis sur les listes il y a bien quelques années. Aujourd'hui, je suis conseiller communal et j'aimerais porter cette voix là où tout se décide, le Parlement bruxellois. Merci beaucoup, monsieur Rahali. Onderwijs, التعليم. مهم خصنا نعلموا ولادنا باش نكونوهم باش يكونوا في المستوى باش يتحصلوا على الوظيفه اللي كتناسبهم. اش كتقول اس بي على هذا الموضوع؟ اخ نور الدين, il faut savoir que effectivement, d'ailleurs dans ma campagne, je commence par le, comme vous voyez donc ma carte ici derrière, il y a un programme. Le premier point par lequel je commence, c'est bien sûr la vie, l'enfant. C'est la base de tout. هذاك هو الاساس ديال نقول ديال المجتمع, هو الولد او البنت. اذا كانت التربيه ديالو مزيانه و اون ايديكاسيون كومبليت, ابي لي ان شاء الله بحال تري لوان. اي نو اوتون كو اسبيان نو بليدون اي نو موتيفون اي نو زالون نو انجاجي بور كيلي ان انسينمون بيلينغ ا بروكسل. Pourquoi je dis bilingue à Bruxelles? En commençant par Bruxelles, qui sera certainement là, l'atelier et pas une expérience. Personnellement, je suis pour et je suis convaincu qu'un enseignement bilingue, c'est vraiment l'endroit propice pour. Et je vais vous dire pourquoi. Personnellement, je suis moi-même un produit de l'immersion. Donc on parle donc le Schulen, donc c'est ce qu'on dit en irlandais, ça veut dire c'est des écoles d'immersion. Et personnellement, je suis un produit d'immersion. Au Maroc, dans les années 70, il faut savoir qu'à l'époque, toutes les écoles du Maroc étaient des écoles d'immersion. Il y avait les deux langues. Il y avait l'arabe, il y avait le français. Et tous les enfants au Maroc étaient bilingues. Donc ça, il faut le savoir. Alors que dans la rue, on ne parlait pas le français. Pas nécessairement. Et pourtant, le niveau du français était parfait. Ce que je dis aujourd'hui, c'est très important. C'est très important. Donc le bilinguisme. Tu es talak, mais la langue, c'est essentiel. C'est essentiel. C'est vraiment essentiel que nous puissions un jour prochain, mais vraiment commencer par les infrastructures, nous les avons. Ce qu'il faudrait, c'est tout simplement avoir des profs qui doivent être formés. Donc nous avons des profs formés, des profs motivés et des profs ambitieux. Moi, je me rappelle, lorsque j'étais enfant, j'avais un prof devant moi, il aimait son métier. Il aimait devenir enseignant. Et là, il faut bien sûr que l'État, que nous, le Parlement bruxellois, il doit valoriser l'enseignant. L'enseignant, il a été aussi délaissé. Il ne faut pas oublier ça, que l'enseignant, il doit être motivé. On doit le motiver et lui, il va avoir justement dans son cœur cet engagement d'être valorisé comme quoi ce qu'il donne, c'est une perle. Effectivement, nos enfants, ce sont des perles. Donc, il faudra tout simplement les aiguiser et puis hop, ils partent vers l'avenir. Alors ça, c'est un point essentiel pour ma part, c'est le bilinguisme pour Bruxelles. Et quand je parle de la SPA, si vous voyez bien, il y a maintenant 100% Brussels. We are not just Dutch or Arabia or just French. On parle English, français. We are speaking all the languages in the world. International seat if you Brussels. Can, indeed. If you can speak, we can speak all the languages. Yes. So the people of Brussels, they have to vote for you. Yeah. The people of Brussels, of course, I want them to vote for us. Yes. Because we are the we are the party. We are the only party who are different. We are the only party who have different languages. We are not only talking about Dutch and about French. Yes. We are talking about Arabia, about the Turkish, about any language. Everyone is welcome. And even the colors. We are talking about the colors, about religions, about philosophies. It's open. This is the part you have to choose. SPA.
Donc je reviens, merci, je reviens en français pour vous dire qu'effectivement, ce que j'ai dit en anglais, ce que vous avez vous très bien compris, et j'aimerais bien que nos enfants puissent aussi switcher dans toutes les langues d'une manière aisée. Et ça c'est Bruxelles. Si je peux vous parler de cette manière-là, c'est parce que je vous assure, chers amis, c'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, grâce à nos parents qui nous ont suivis, et aussi grâce à un environnement qui est Bruxelles. Bruxelles est une ville riche. Extraordinairement riche dans sa culturalité, dans la multiculturalité, dans les langues, dans les religions, dans les philosophies. Et ça doit être une truffe, ça doit être un... Comment dire ça? Ça veut dire un truffe en français, c'est un atout. Un atout. C'est un atout. Et souvent, c'est un politicien. Voilà, et surtout, ce parlement, NATO. Voilà. En dat het probleem is bij sommige politici is dat zij eigenlijk van deze eigenlijk schat de ce trésor, ils en font quelque chose de négatif. J'aimerais simplement donc ajouter effectivement que c'est important que l'enfant puisse être capable de faire son choix. Et on ne peut pas demander à un enfant à l'âge de 12 ans de faire un choix et de prendre déjà une direction c'est technique vrai. Ou une direction générale. Et effectivement, comme elle vient de dire, que le ministre Pascal Smet a effectivement, il s'est penché sur la question que tous les enfants doivent avoir pendant les deux premières années donc le même niveau, avoir tous les cours, qu'ils soient techniques ou qu'ils soient généraux, pour que plus tard, à l'âge de 14 ans, puissent être capables de faire leur choix. Et personnellement, j'aimerais revenir sur la langue. La langue est vraiment la base pour que l'enfant puisse réellement maîtriser les cours. Il faut savoir qu'un enfant, scientifiquement parlant, il a été prouvé qu'un enfant, à l'âge de 0, il est capable de maîtriser 4 langues en même temps. D'ailleurs, je donne toujours la preuve de beaucoup d'enfants à Bruxelles, en parlant des miens. Ma fille, elle a 4 ans, elle parle 3 langues, sans problème. Mais c'est une on s'arrange à la maison, donc il y a la maman qui parle en français, il y a moi qui parle le néerlandais, il y a des grands-parents qui parlent arabe, et puis etc. Et donc l'enfant, il grandit dans cette ambiance, et psychologiquement, lorsqu'il s'adresse à moi, c'est en néerlandais. C'est incroyable. Et lorsqu'il s'adresse à sa maman, c'est en français. Lorsqu'il s'adresse aux grands-mères, c'est en arabe. Donc le cerveau humain, il est très très solide, il est très fort. Mais il faut lui donner. Het moet goed geïnvesteerd worden eigenlijk. De jeugd, er zijn prachtige jongeren die veel kwaliteit hebben, maar die daar eigenlijk weinig mee doen. Ik ga je één ding zeggen, meneer Nordin. Iedere kind, iedere mens is uniek. Inderdaad, ja. Uniek. Ik kan het eigenlijk hier zelfs wetenschappelijk tonen. Chaque enfant, chaque homme ou être humain est unique. Parce qu'il faut savoir, lorsqu'il y a eu donc justement l'ovule et ce contact biologique, eh bien, il y a eu des milliards et des milliards. Et puis il y a un seul ovule. Donc c'est unique. Et donc moi je pense que un enfant, il faut tout simplement lui donner la matière. C'est un cheminement logique des études. C'est d'abord les études, et puis le diplôme. Et puis après le diplôme, il faut aller travailler. Alors quand je parle moi de Bruxelles, on a un grand problème. Tout d'abord, donc en parlant de je dirais un chômeur. Combien de chômeurs? Un point élémentaire. Donc en parlant du les jeunes sont au chômage. Il y a plusieurs facteurs, plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est vraiment de yes to forming, upleading. C'est vraiment avoir la bonne formation. Parce que souvent, les patrons cherchent effectivement des gens pour travailler, mais ils ne trouvent pas justement des gens compétents dans ce domaine-là. Moi, je pense que la région doit absolument trouver des formations adéquates pour les jeunes. Un, la langue. Peu importe laquelle, moi je ne pense pas que la langue doit être... La discrimination dans le oui, travail. Oui, donc d'abord la formation. Après la formation, nous allons voir l'étape suivante. C'est que lorsqu'on dépose le CV, et lorsqu'il est marqué Mohamed, ou si après l'interview, Fatima vient foulard. Avec son foulard, c'est un gros problème. La SPA, est, donc nous avons réussi, avec plusieurs de militantisme au sein de notre parti, à avoir voté. En mars dernier, nous avons voté une loi pour dire que peu importe ce qu'il y a sur sa tête, mais ce qui nous importe, nous, c'est ce qu'il y a dans sa tête. Et donc, que la femme porte le foulard ou qu'elle ne porte pas le foulard, elle doit travailler dans les administrations. Et puis, il y a la discrimination donc, à l'embauche, c'est celle-là. C'est ou bien vous vous appelez Mohamed, ou bien vous portez le foulard, et ça ne doit plus exister. Je wou iets zeggen in verband met de plaats van de vrouw. Inderdaad, ja, de plaats van de vrouw. مكان المرأة في المجتمع وبكل احتراماتي للرجال وحتى أنا رجل على أننا كننساو على أنه هذه المرأة راه هزتنا مسكينة 9 شهور
9 mois que cette femme nous a porté et nous oublions sa place. Et moi, je trouve que malheureusement, la place de la femme au sein de la société n'est pas toujours respectée et j'aimerais franchement que nous puissions la main dans la main pouvoir soutenir. Et puis, j'aimerais terminer par un point essentiel. Par rapport, j'ai un cœur... Akhir Kalima, j'ai mon cœur qui est pour bien sûr la Belgique et j'aime beaucoup la Belgique. Oui. Et j'ai aussi mon cœur qui penche vers le Maroc, qui est aussi mon pays. C'est comme papa et maman, on ne peut pas choisir entre les deux. Et je dis haut et fort que Al-Sahara n'est pas occidental. Al-Sahara au Maghribia. Et peu importe ce que chacun puisse penser, c'est dans l'histoire. Wat gaat u doen, uw laatste woord? Waarom moeten wij voor SPA kiezen? Wel, ik nodig iedereen uit om voor onze partij te stemmen, omdat het de partij is die voor sociale welvaart is voor de mensen, voor solidariteit, voor het verdelen van de zware lasten, voor de sterkste schouders. En ook omdat wij volop voor diversiteit gaan. Onze lijsten zijn vol diversiteit. We hebben ook iemand met een hoofddoek op onze lijst. Dus in die zin zijn wij... Hoe heet ze? Aysel Bayraktar. Aysel Bayraktar, iemand van Turkse origine die onze lijst mee komt versterken. Ja. En dus SPA is voor sociale welvaart en niet voor sociale afbraak. En links is versterkt, geloof ik, met PVDA en zo. Donc, je vais quand même dire un mot en français. J'aimerais tout de même citer last word. Le dernier point important, il faut savoir que quand nous parlons du Sahara marocain, le PTB est contre. Ça, il faut le savoir, c'est vraiment très très important. Et puis, je reviens vers la SPA. PTB, c'est le parti travailliste PVDA, qui sont contre le fait que le Sahara soit marocain. Et là, le Sahara est marocain. Et puis, je reviendrai très rapidement vers la SPA. Pourquoi la SPA? Nous sommes un parti, bien sûr, socialiste, ouvert au monde. Pas seulement pour Bruxelles, ouvert au monde, que ce soit la Flandre est une région extraordinaire, Bruxelles est une région extraordinaire, et nous sommes franchement pour l'international, nous Hassan sommes pour le vivre ensemble. Rahali, Fawzia Talhaoui, ik wens jullie veel succes, en ik hoop dat jullie verkozen wordt. Inshallah. Dames en heren, tot de volgende keer, bedankt voor het kijken. Dag.